Salut tout le monde, c'est Gabin, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons pour la saison 7 du chapitre 2 de Fortnite, bien évidemment axé sur les aliens. Vous avez vu tous les teasers, vous avez vu tous les trailers qui sont sortis sur YouTube, sur plein de forums. Donc du coup voilà, aujourd'hui ça va être la saison 7 du chapitre 2 axé à fond sur les aliens. J'espère que cette vidéo va vous plaire, on va découvrir le pass de combat. Apparemment c'est un format un peu différent de d'habitude le pass de combat. On va découvrir un petit peu la carte, on va découvrir les défis, on va découvrir et surtout on va déjà acheter le pass de combat et le découvrir ensemble. Donc il est actuellement 9h38 et à 9h38 je suis prêt, je suis ready for the mise à jour. Pourquoi les serveurs ne répondent pas? C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Les serveurs ne répondent pas. Ça me plaît pas cette affaire. Oh! Alors là les amis, là je ne peux pas vous enregistrer le contenu qu'il y a là. Mince alors, regardez. Regardez-moi ce fond, il est magnifique. Là ça charge en bas. Vous avez vu le fond juste avant était incroyable. Alors attendez, je vous repose là. J'espère que la qualité de nos vidéos qu'on publie en ce moment vous plaît. Parce que du coup on a changé de caméra, la caméra est incroyable normalement. Par contre la connexion est un peu longue. J'ai hâte de voir si cette saison va me plaire. Parce que je vous avouerai que j'ai très hâte carrément la saison d'avant. Je l'ai fumé la saison d'avant. En fait j'ai tout fait, les défis, tous les défis, tout, j'ai tout fait. Donc là je suis sur la file d'attente des serveurs épiques. Connexion en cours. Donc les amis, là nous attendons de pouvoir accéder. Il est actuellement 10h21. Ok, donc collecte du contenu dynamique. Et après là normalement ça va être le... voilà c'est ça. Ok, donc là on peut aller sur le Battle Royale. Tout à l'heure on ne pouvait pas, il y avait erreur des serveurs. Les serveurs étaient toujours fermés. Il y a bien, bel et bien Rick et Morty. En fait il y a l'écran, il y a l'écran juste à droite. Je l'avais même pas vu tout à l'heure, je vous le filmais. Mais là... Ok, donc là nous arrivons dans le lobby. Il y a, comme vous aurez pu voir si vous avez regardé la cinématique en entier, un énorme vaisseau au-dessus. 40 000 XP avant d'atteindre le niveau 2 avec plus 5 étoiles. À chaque niveau on a 5 étoiles. Et on va pouvoir les dépenser à chaque niveau pour dans n'importe quel ordre qu'on veut pour le pass de combat. Donc j'ai pris des V-Bucks en plus. On arrive ici, on veut acheter le pass de combat. Sauf que j'ai 2540 V-Bucks. Et pour acheter 25 niveaux il en faut 2800 les amis. Et je suis actuellement dégoûté. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un petit pack hyper intéressant qu'on pourrait prendre dans la boutique? Bah celui-là à 3,99€, on a 600 en plus. Ouais, je prends celui-là, il est très très bien. Ok. Donc alors les amis, on a été obligé de faire ce petit achat de Centurion. Donc on va pas l'équiper, on fait suivant, suivant, suivant. On obtient les 600 V-Bucks et là on a 3100 V-Bucks. Alors là les amis, regardez, confirmé, on ajoute 25 paliers, c'est incroyable. Et là nous avons actuellement page du pass de combat déverrouillée. On a déverrouillé 3 pages déjà. Mais c'est... On a déjà 130 étoiles. Mais c'est incroyable. On a déjà 130 étoiles, donc on a déjà le skin Chimeria, on va l'équiper tout de suite, il est vraiment beau, un peu extraterrestre, j'ai déjà 130 étoiles à dépenser les amis, c'est muy caliente, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est tout ce que vous voulez, donc, et bah c'est nickel, il faut en fait de plus en plus d'XP avant d'atteindre le niveau d'après, là c'est 80 000, tout à l'heure juste pour passer palier 2 c'était 40 000, là c'est déjà le double, donc j'espère qu'on va pas se retrouver avec des 160 milliards d'XP à passer pour le palier 100, c'est incroyable, c'est nickel, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire, alors... Passe de combat récompense. En fait là on va cliquer là. Voilà, donc ça c'est la première page. Et en fait je vais pouvoir acheter à chaque page des petits trucs. Voilà, dans n'importe quel ordre que je veux. Donc là il va y avoir la page 1 avec 10 trucs. Et là je possède déjà le skin Chimeria. Et regardez en fait, donc là on a plein de petits trucs. On a une petite... On peut le voir juste sur la droite en fait. Maintenant ça change un petit peu, c'est vachement cool que ça change en fait. Donc là on a une traînée rare. Là on a une petite emote en mode on se balade comme un alien. Sympa. Là on a un petit sac à dos, vraiment cool. Là ok, donc un petit écran de chargement, ça fait toujours plaisir. Et regardez, je crois qu'on a même un petit sac à dos, c'est ça? Un petit sac à dos Poiscaille Janky. Ok. Page numéro 2, on a des V-Bucks, des V-Bucks, des V-Bucks, des V-Bucks, une musique. Sympa. On a le petit skin qui s'appelle Sunny. Ok. Et on a aussi, du coup, gratte spatiale, un outil de collecte. Je crois que c'était un sac à dos, mais pas du tout. Un outil de collecte, donc une pioche. On a un petit sac à dos. On a une danse. Oh, encore avec la même musique, c'est dommage. Ok, ouais, cool. Donc on a encore 200 V-Bucks sur toute cette page-là. Et ici, nous avons le skin Sunny Voyageuse, donc c'est un variant, quoi. Ok, après, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, ok, là, donc on a... Une petite traînée qui est très sympa, cette traînée, elle est super cool. Juste après, trop compliqué le nom,
Jugimon, un truc comme ça. Je suis pas hyper fan, d'autant plus là, les deux oreilles de lapin là comme ça. Je suis pas ultra super fan, mais bon écoutez, pourquoi pas. Là on a notre Chop-Chop. Ok, ouais. Là on a quoi? Un planeur. Le planeur il est assez sympa de toute façon, le planeur c'est cool. Ok, bah d'accord, pourquoi pas, un petit accessoire de dos comme ça, ça pourrait faire plaisir. Après on a encore un accessoire de dos, on a pas mal de sacs à dos j'ai l'impression. Une petite traînée, un petit peu cool, un petit peu galaxie, un petit peu arc-en-ciel, un petit peu tout ça. Là on a un nouveau skin quoi. Donc, jouer, on a joué avec nous. Là on a un outil de collecte qui ressemble énormément à ce qu'on a déjà pu avoir. Un petit... Ok, il aspire un petit peu les villes on dirait, j'ai hâte de voir la nouvelle carte les amis. Donc on a accessoire de dos, assez sympa. Qu'est-ce que c'est? C'est carrément stylé. C'est carrément stylé. What the fuck, c'est quoi ça? Ok, bon bah en fait le mec il... Ça c'est une emote qui est vraiment sympa. J'ai pas trop compris ce que c'est comme truc, mais ouais pourquoi pas. Donc ça va avec ce skin qui s'appelle Zig. Bon il est cool, il a l'air sympa, j'espère qu'il y aura des petits variants de Zig. Donc là on a Professeur Sloan. Professeur Sloan, elle est cool, elle a l'air sympa. Ok, ouais. Moi ça me va, elle est pas mal, elle a beaucoup de cheveux. Un petit sac à dos, une petite traînée, poignée à réaction. Ok, nickel, on a Éradicatrice de Lio. Ok, on a Sloan en armure, donc là elle a moins de cheveux, on dirait, elle a un peu les cheveux attachés, c'est sympa. Ça par contre, ça, ce skin là, il est incroyable, ce skin là, les amis, il est incroyable. Zig, nuit et lave, il est hyper beau, il est magnifique. Là on a une petite emote en mode on est posé sur sa chaise. Ok, on installe la chaise, on est posé, ok. On a Rick et Morty à la fin. C'est entre le palier 89 et 90. Quoi? Il n'y a pas d'autre page après dans sa page numéro 10. Donc on peut acheter Rick Sanchez. Et regardez-moi cette pioche. Elle est incroyable. Morty Marteau. Elle est magnifique. Donc en fait c'est tout en lien avec Rick et Morty. Donc si vous voyez un petit peu derrière les vêtements. Donc vu que le focus est sur moi, vous les voyez pas super bien. J'ai plein de vêtements Rick et Morty. Rien que là j'ai un pull. C'est marqué... Je vous jure les amis, c'est même pas fait exprès en plus. Les gens dans les commentaires vont me dire Gabin, mais t'as vu, t'as fait exprès, t'as mis un pull. Mais même pas. Un planeur vraiment cool. Ok, un petit planeur comme ça. Un petit peu en mode cartoons, il est cool. Donc d'accord. Donc on a des petits aérosols, des trucs qu'on n'utilise pas trop quoi. Danse de Rick. Je vais vous avouer les amis, je n'ai jamais rien regardé de tout ce qui était Rick et Morty, tout ça. Donc du coup je sais pas. Clairement je ne sais pas qu'est-ce que ça, à quoi ça fait référence en fait. Je sais pas du tout si cette danse les amis fait référence ou pas du tout à la série de Rick et Morty. Je sais même pas si c'est une série ou pas. Donc on continue, casier, ok on est bon. La boutique, est-ce qu'elle a changé la boutique? Ok bah on a des skins que j'ai déjà. On a des trucs assez bon, ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme quête? Oh, la map a changé. Alors pour tous ceux qui attendaient la zone 51 et tout ça, bah clairement, même moi je le pensais, ça allait pas être possible vis-à-vis de tout le mystère qu'il y a autour de cette zone. Mais on a quelques petites zones violettes, on a quelques trucs qui pourraient changer. À mon avis, comme j'ai vu, ça va être Canyon Crops. Là, ce qu'on a Colossal Crops, un truc comme ça, je sais même plus comment ça s'appelle. Donc on a déjà la flèche aussi qui a changé. On a en plein milieu de la map
à anciennement la place entre Bonnet Burbs et Loot Lake. Vous vous souvenez de Loot Lake qui est passé à Lazy Lake. Je crois que ça s'est appelé par 28 milliards de noms différents. On attendait le retour de Paradise Palm, ça sera pas cette saison. Mais là on a quelques petits défis qui sont juste ici à côté. On a accepté une quête dans une cabine téléphonique, donc à mon avis on va pouvoir se déguiser dans des cabines téléphoniques. Ça va être assez sympa. Donc voilà, la carte pour l'instant est toute mystérieuse. On a toujours la pêche, on a toujours des héros à découvrir, auxquels aller parler. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo va vous aura plu. Voilà, moi je vais découvrir tout doucement cette petite nouvelle saison. J'espère qu'elle va être cool, j'espère qu'elle va me plaire. J'espère que les nouvelles villes seront à la hauteur de mes attentes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les amis, comme d'habitude, c'est le cas, n'hésitez pas à partager, la liker, la faites ce que vous voulez. Et comme d'habitude, plein de gros bisous de la Gamer. Bisous.